I'm not afraid.
moi particulièrement, je rends grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Je ne savais pas que aujourd'hui j'allais être là. Mais par la grâce de Dieu, je suis venu trouver Dieu dans sa présence, dans sa manifestation dans ce temple. Tu pourrais dire à ton voisin, Dieu est là. Il est là. Je rends grâce également à mon papa spirituel qui m'a donné ce privilège de partager la parole de Dieu. Pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire lecture dans Luc chapitre 2, versets 25 à 34. On a quand même Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, versets 25 à 34. Ah, Luc chapitre 2, versets 25 à 34. Je répète pour une dernière fois. Luc chapitre 2, versets 25 à 34. Versets 25 à 34. Si vous y êtes, je fais la lecture. Cantique de Simon, âne de prophétesse. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il entendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant s'est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » La crise. Donc, il me fait que les années t'as eu le bonnet à Siméon. Donc, il y a une chose là, à la sacra, où il y a un son à la cour d'Israël, de l'Esco, là, si ils sont bien, il y en a. Là, si ils sont là, où ils gagnent, t'en as un qui se sort à Saint-Antouma, t'en as un qui dit. Si ils sont qui t'avaient taqué, où il y a un peu, hein. Là, je dis pas, on est à maman, c'est à la, on va, où est-ce que c'est le tour, hein. À Seigneur, il y a la vie, il y a un nouveau, un père, où il y a un ami, massa, je suis là. Il y a un bassin tout le monde à l'eau, il y a un bassin qui est là. C'est vrai, ma mini, il y a un fanri. Fanri, il y a un sénateur, il y a un fanri. Il y a un bien homme, un venant de l'esprit, il là, il y a un Israël de la Syrie. Simplement, je suis et l'autre, à Yes, à Joseph, à Marie, à Seigneur Mara, à Seigneur Ninga Pambaraka, et la Marie, c'est à Jésus Maraya. Vikanga wa Israël ne va vous lui c'est la Vikinga. Lana y wen en bande ne va se na isansi. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne me poses pas la question. Aujourd'hui c'est pas Noël. Pourquoi tu lis? Et je te dirai que je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas Noël. Mais le thème que nous allons développer ne parle pas de ce Noël là également. Voilà pourquoi j'ai comme titre la fidélité de Dieu. Tellement marchant dans les promesses de Dieu et il accomplira. Marchant dans les promesses de Dieu, et il accomplira. Alléluia. Alléluia. Marchant dans les promesses de Dieu, et l'Éternel accomplira ce qu'il a dit. Siméon, qui est Siméon? Siméon était un homme de Dieu qui était dans le temple de Dieu. Voilà pourquoi le premier point, nous allons voir le comportement d'un homme de Dieu.
just went up to Tumna Chelsea and Toto. Voilà sur les critères qu'on a dit. A quoi il a tout senti que. Il est, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était sus et pieux. Il a attendu la consommation d'Israël. La question est, Jérusalem, ta jour bonne ta Seigneur. Donc, quand il y a ni son go, la sable, la wenna encore la goutte d'Israël. La parole de Dieu nous interpelle également. Nous devons être des gens qui sont sus. Et cette année qui débute encore, nous devons marcher dans la justice de Dieu afin que les gens puissent nous reconnaître dans notre justice. Dieu le chemin. Alléluia. Alléluia. Marcher dans la foi tout le temps. Mettre notre espoir à l'éternel. Cet homme était un homme sucé. Dieu a cela. La... Dieu a vu sa justice. Dieu a vu son consécration à lui. Et Dieu dit maintenant, Simon, tu es mon homme. Tu es mon serviteur. Je t'ai appelé. Tu es ma crainte. Tu vas dans mes services comme il le faut. Mais je te promets maintenant une chose. La consolation d'Israël. Israël, alléluia. Alléluia. Nous avons diverses promesses aussi que nous avons reçues avec Dieu. Et une fois reçu, hein, nous avons reçu Jésus-Christ en nous. Et toutes ces promesses qu'ils ont promis dans le Seigneur, nous pouvons les recevoir. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous recevrez. Je vous donnerai la puissance d'en haut. Vous serez autorité à toutes choses. Vous serez rempli de sagesse. L'amour resplendira en vous. C'est les promesses de Dieu. Et nous devrons vivre dans ces promesses. Si nous avons ces promesses, le consolateur tu le verras. Et le verset 26. Écoutez, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Qui ne mourrait pas d'avoir vu le Christ le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Averti par le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans la vie chrétienne est obligatoire. Un homme de Dieu avait dit un jour, il serait insensé à un homme de Dieu de vouloir servir Dieu et ne pas être rempli par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que nous ne pouvons rien faire sans la présence du Saint-Esprit. Nous devons renouveler, chercher que le Saint-Esprit vienne nous remplir. Marcher sur les directives du Saint-Esprit. Marcher dans sa présence. Avoir la communion avec le Saint-Esprit à tout moment. Car avant la présence du Saint-Esprit, nous pouvons entendre la consolation. Et par la présence du Saint-Esprit, nous pourrons avoir l'accès aux promesses de Dieu. Et il est fidèle dans ses paroles. Il ne ressemble pas à un homme.